Ford avec une économie qui a un taux de croissance de seulement 1,5%. Et comment ça a affecté la quantité de jobs qui existaient dans le pays? Bon, alors, l'important pour que nous établissions une relation qui gagne entre le taux de croissance et le nombre d'emplois qui créent à travers l'économie. Hein. Parce que vous n'êtes pas capable de gagner un job qui a créé, vous pas capable de gagner un taux de croissance sans qu'on gagne un pile job qui est capable de créer au niveau de l'économie. Hein. Donc, lorsque vous regardez une économie, vous voyez que qui n'a pas grandi en pile, mais très certainement, il y a des répercussions négatives sur la quantité de jobs qui créé. Parce que une façon qu'on est capable de garder la santé en économie, c'est à regarder la quantité de jobs qui créé. Et pour que ça soit important pour que les jobs créés dans l'économie, parce que c'est un indice ou bien c'est un indicateur qui veut dire que y a une activité économique, c'est un indicateur qui veut dire que y a une richesse qui a créé. Parce que richesse, qui ça qui crée richesse, c'est travail. Et qui ça qui bail travail, c'est là que gagne entreprise qui investit. Et l'entreprise qui investit qu'on y a là, donc il y a besoin des monde pour qu'ils soient placés. Et se comprendre au niveau de l'agriculture, au niveau de commerce, au niveau de l'industrie, au niveau de factory. Donc c'est-à-dire que l'extrêmement important pour que un job qui crée dans une économie. Et il n'y a pas de moyens pour que l'économie grandisse, il n'y a pas de moyens pour que la richesse crée, si il n'y a pas de job qui crée. Oui, mais tant que par exemple, les gens qui regardent là, qui prêtent attention à ce que je dis là, qui ça va comprendre de la question de richesse là? On a parlé de job, on a parlé de richesse. Okay? Et on a regardé la tête. Donc, chaque jour levé, il y a une quantité de dépenses pour le faire, pour subvenir à besoins personnels. Aussitôt, il y a une petite île, il y a l'école, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la nourriture. Non, exemple concret, par exemple, un citoyen moyen, qui ça comprend de tout ça? Très bien. Qui ça nous est les créations richesses dans l'économie? Eh bien, c'est production bien avec service. OK, qui peut faciliter la vie au monde. Par exemple, costume, ça, eh bien, ou pas fait costume. Eh bien, son compagnie qui fait, ou bien son boss tailleur qui fait costume. Là. Ou bien, on achète quelque part dans le store. Oui, mais bon, quand c'est le monde qui a besoin, c'est pas costume. Voilà, donc c'est un exemple. Est-ce que vous comprenez? L'autre monde, par exemple, c'est chaise que vous avez besoin. De l'autre monde, c'est un plat de manger que vous avez besoin. Mais il y a un monde qui produit. Donc, ça nous est les richesses. Logement. Là. Logement. Transport. Voilà, service téléphone. Médicaments. Internet. Communication. Voilà. Est-ce que vous comprenez? L'hôpital. Mm. Et éducation, l'école. Donc, qui ça nous est les richesses? Ça, c'est production d'un ensemble de biens avec services qui ont pour objectif final faciliter la vie au monde. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a un monde qui est malade, qui n'a pas de bon soin, la santé. Eh bien, le monde ne devient pas productif. Donc, vous remarquez les répercussions, le pays n'a pas créé un peu de richesse. Eh bien, il devient affecté la productivité du monde qui vit là-dedans. La productivité a ses capacités pour que vous produisez un résultat dans un temps donné. Bon, donc, l'extrêmement important pour que la richesse crée dans le pays. Non, mais par exemple, il y a un monde qui a regardé encore qui dit que. Et Haïti, ce n'est pas que la richesse n'est pas créée. Si vous avez par exemple 1% dans le pays, 1 à 3% qui disposent de près de 50% de richesse dans le pays, est-ce que ça que fait la pauvreté comme ça, est-ce que c'est parce que la richesse n'est pas créée? Vous comprenez que, évidemment, chaque jour, l'économie a bougé. Elle n'est pas bougé à un rythme que notre pays a bougé quand même. Okay? 1,5%. L'année dernière, elle était 1,2%. C'est ça. Donc, quand même, croissance là, faible, mais il y a une croissance quand même. Et qui ça qui expliquait que, par exemple, tant de monde a autant de pauvreté? Est-ce que c'est parce que la richesse n'est pas créée du tout? Ou comprenez ça? On a essayé de balancer la question pour que nous soyons plus à l'aise. Alors, c'est une très bonne question parce que, effectivement, il y a une richesse qui est créée. Mais et pour bien comprendre le fonctionnement de l'économie, il faut regarder qui côté richesse vous créez, comment vous créez. Par exemple, dans tout secteur d'activité, vous avez agriculture, vous avez commerce, vous avez industrie, etc. Vous regardez après que le secteur qui crée plus d'emplois, qui avance plus, c'est le secteur commerce. C'est-à-dire que m'acheter, moi revendre. Et le secteur commerce, il n'y a pas. Sa économie sur elle est un secteur qui génère
secteur de main-d'œuvre, vraiment. Il n'y a pas un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Mm-hmm. Donc, qui fait que il y a une richesse qui crée effectivement. Mais on dit que la richesse a été créée dans l'agriculture. On dit que tu as plus près, par exemple, pour agriculteurs planter. On dit que, par exemple, tu as plus accès à engrais. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, tu as besoin de plus main-d'œuvre. On dit que tu as plus d'investissement qui fait, par exemple, dans le secteur textile, dans le secteur factory, par exemple. Donc, ça, c'est des secteurs qui ont capacité de par nature, de par gens que vous présentez, de par caractéristiques, pour que vous créez un pile travail. Mm-hmm. Donc, il est vrai que il y a une richesse qui crée, mais il n'est pas seulement important, il n'est pas seulement suffit pour garder qui quantité de richesse qui crée, mais c'est à garder qui côté richesse qui crée. Mais est-ce qu'il y a assez de richesse qui crée? Non, certainement pas. Pour que ça ne pas. Pas gagner assez de richesse qui crée. Parce que l'on a regardé et PIB, per capita, qui c'est la quantité de richesse qui produit et ou divisé totalement dans le pays, ou divisé par le nombre d'habitants, c'est seulement $760 américains pour une année. C'est la quantité de biens avec produits qui fait dans l'économie. Yeah. Donc $760 et il n'y a pas même $76 américains par mois. Est-ce que ça veut dire nous-mêmes en Haïti, en moyenne, nous marquons productifs? Certainement. Oui, mais quelles répercussions qu'on a gagné sous vie, nous? Eh bien, répercussions que le gain sous vie, nous, c'est pauvreté, c'est manque d'emploi. Parce que, et ça pour nous comprendre bien, Daniel, et tout, et le monde qui a regardé, nous qui a suivi chaud à tout, ça pour nous comprendre, c'est que l'économie en son cycle lié. Par exemple, si vous n'avez pas d'investissement, vous n'êtes pas capable de gagner emploi. Et si vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes pas capable de gagner richesse. Vous comprenez, si vous n'avez pas de richesse qui crée, ou bien si richesse n'est pas créée, côté où vous devez créer, ou pas capable de développement. Mais Fred, alors, il y a un pile débat qui fait sur question ça. Il y a un pile livre, il y a un pile article qui est écrit, et il n'y a pas de changer. C'est comme si on a battu même tambour, nous-mêmes, quand nous dansons, on va comprendre que il y a un pile monde qui est bouqué, qui est fatigué avec même tendance ça, même explication. C'est même acteur et côté blocage là parce que il y a un pile pays là qui rive sortir tête dans pauvreté et qui fait des progrès énormes et côté blocage là ou même qu'a parlé là disons que tu as parlé pour citoyen moyen monde qui levé qui gon job dans factory monde qui levé qui fait jardin qui ont quantité de papaye ou bien un jardin maïs que il fait ou bien pour activité de commerce qui gonti boutique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moun ça en termes de prospection de année ça qui venir là? Le taux de croissance là aussi faible, les quantités de job aussi moins disponibles. Qui substance, qui changement qui t'a dû faire pour ta grande amélioration que fait dans condition de visa et dans l'économie en général? Bon, moi je pense que d'abord c'est gon conscience de gravité situation parce que y a un problème que conscient de lit qui existait, il y a moitié résolu, j'en ai dit. Et donc d'abord, c'est une prise de conscience de la part du responsable et d'une part, et de société civile en général, les groupes organisés, les institutions. Et c'est une prise de conscience et puis c'est volonté vraiment pour que grand changement qui fait. Oui, mais est-ce que ça suffit? Certainement, ça passe. Je vais regarder un pays tant que le Sénégal. C'est un pays qui n'a une stabilité assez relative. Mm-hmm. Mais malgré ça, le pays n'a pas un taux de croissance qui flamboyante. Okay? Et je regarde Haïti tout, par exemple, tant que pays d'Haïti comme Yémen, bien des pays comme le Soudan, ou bien pays ça y a une instabilité et y a un taux de croissance faible, même genre avec Sénégal, qui a un taux de croissance qui n'est pas aussi élevé et aussi qui a une instabilité. Est-ce que stabilité a vraiment, je n'ai pas parlé, est-ce que c'est lui-même seulement qui suffit pour faire l'économie changer de cours pour améliorer le niveau de vie mon? Alors stabilité à lui-même n'est pas suffisant, mais on dit que son point de départ est nécessaire. Il est nécessaire, c'est nécessaire mais non suffisant. Il non suffisant. Yeah. Et pour qui ça? Parce que on dit que au même on sont investisseurs étrangers. On investisseurs étrangers ou disposer de capitaux, ou disposer de moyens financiers, de l'argent pour investir. Donc on a une option. On dit que vous faites choix de Haïti. Maintenant, vous regardez comment le cadre légal là, combien de jours ça prend pour ouvrir un business, qui ça coûte pour créer un emploi. Ça, c'est le coût création d'un emploi.
Est-ce que les ressources qu'on a besoin pour faire business fonctionner, est-ce qu'elles sont disponibles? Comment productivité a, par exemple, sous investi un dollar, combien que un dollar là rapporte? Est-ce qu'on a une facilitation de accès à crédit, par exemple? Ou bien est-ce que comment comment qualité service public au niveau de l'État? Est-ce qu'on a accès à internet? Est-ce qu'on a accès à de l'eau? Est-ce qu'on a accès à route transport? Non, mais quand tout le monde cap dit est-ce que nous va gagner ça? Oui, mais est-ce que nous gagnons? Cette question c'est pas est-ce que nous gagnons, ou est-ce que nous gagnons en quantité suffisante? Est-ce que nous gagnons de qualité? Ouais. Et service, est-ce que vous fonctionnez? Ouais. Par exemple, il y a près de 4 millions de monde en force de travail là. C'est ça. La plupart là d'un haut, plus de 25 à 30%, c'est dans l'agriculture. Que oui. Qui est aussi représenté et plus grande proportion dans le produit intérieur brut dans le pays. Ça. C'est ça. Alors que nous avons importé près de 80% de ce que nous avons consommé. Voilà. Comment dit Condomise à répondre et comment un citoyen peut le faire réconcilier et aspects à eux qui semblent irréconciliables? Yes. Alors, et force du travail, là, c'est quantité de monde qui est capable de travailler, qui est capable de fournir main d'œuvre et qui a cherché le travail. Voilà. Donc, c'est ça, ça qui faut que nous comprenions ça bien. Exactement. C'est-à-dire que si on ne le veut pas qualifié ou pas chercher de travail, il n'y a pas compté ou dans tout chômage. Dans tout chômage. Là. Ouais. Donc, tout chômage, là, il faut calculer à partir de ça, les populations actives. Là. Yeah. C'est-à-dire que si on est capable de fournir un service qui a une capacité pour qu'il offre une main-d'œuvre et qui, en retour, a besoin de rémunération sous forme de salaire, etc. Eh bien, qu'est-ce qui passe? Et la situation qu'on présente à la Daniel, justement, li mettait à clair problème de productivité que n'a pas lié. Voilà. Parce que pas oublié, ou même on est doit compétent, mais ou même seulement on pas capable de délivrer un résultat. Faut gagner des facteurs que on va travailler avec, il faut gagner le temps. Faut gagner des outils, faut gagner moyens. Vous comprenez? Donc le que au bon système côté que on dit que paysan li doit gagner terre là. Mais s'il va gagner de l'eau pour ses jardins, il pas capable bailler résultat. Et se comprendre, donc s'il pas gagne, s'il pas gagne des matériels agricoles, des équipements agricoles pour que li laboure terre le ça on dit que yon carotte qui t'a capable rapporter le baron peut-être yon tonne ou bien 2 tonnes du riz il va le bal demi tonne ou bien 4 tonnes. Donc c'est comment est-ce que nous capable associer tout facteur de production yo, et c'est ça qui va le permettre que nous arriver à productivité. Oui, mais comment? Eh bien, comment nous pouvons associer tout facteur de production? Eh bien, d'abord, c'est rendre plus accessible. Yeah. C'est rendre plus accessible. Yeah. Par exemple, de l'eau. Est-ce que bon service, est-ce que l'État crée un cadre côté que des entreprises privées sont capables de vouloir investir dans la question de l'eau pour qu'ils rendent plus accessible? Question courant, par exemple, sur casse-tête. Généralement, ils disent dans le pays pour blackout. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc, le coût fonds investissement, obligé à acheter une génératrice encore. Ouais. Tandis que quand vous achetez génératrice ça, vous êtes capable de créer plus d'emplois, vous êtes capable de grandir business avec. Vous comprenez, on dit que l'eau allait dans le bureau de l'État ou acheter un service, par exemple. Donc, c'est comme si, en plus que nous payons taxes, nous avons subventionné en partie dans le service de l'État. Exactement. Donc, si toi, on a subventionné l'État deux fois, c'est ça. Parce que vous payez taxes, deuxièmement encore, vous êtes obligé de dépenser comme pour produit service ça que l'État t'est supposé bah pour taxes que t'es déjà payé. Donc voilà, subventionner l'État deux fois. Et puis résultat pas nécessairement probant. Mais qui problème pays? Eh bien bon, problème pays a et c'est problème job. Pas de job dans pays. Pas de assez job. Pas de assez job. Yeah. Comprendre pas de assez job. En résumé c'est ça. Yeah. Et ou même Daniel me connaît que ou fait un pile promotion pour question investissement direct étranger. Par exemple, l'année dernière, combien, quantité COP qui investit en termes d'investissement direct étranger dans le pays? Oui, c'est clair. Selon les recherches qu'on fait, on connaît qu'on écrit le livre sur ça. Yeah. Mais parlez-nous un petit peu, quantité et investissement qui fait, par exemple. Bon, tout investissement, moi-même, décanalisé vers Haïti, il est tout annulé, dans le sens. Voilà. Parce que, notamment pour question d'instabilité politique, là. Voilà. C'est-à-dire, les gens qui sont sous tête monde, clairement, ils sont affectés quelque part et par instabilité politique là, parce qu'il y a moins d'opportunités qui sont disponibles pour eux, parce que l'État
manquer collecter recettes fiscales là que le d'abord joindre dans toute activité additionnelle ça que tu as vu dans l'économie. Ça plus économie bien marché plus l'état gagne ressources pour la joindre monde ça sous tête mon yo. Exactement. Pour la, c'est ou bien pour planification pour faire descendre parce qu'on communauté sous tête au monde qui gagne 200 monde qui gagne 150 monde la donne. Communauté ça clairement on t'a de délocaliser. Mais en communauté qui gagne 3 000 à 4 000 monde sous tête au monde. C'est-à-dire le plus possible, tant que par exemple des communautés comme Troy, à Gourmon, qui est très loin, mais qui ont vie, qui ont des activités économiques substantielles avec une quantité de monde qui t'a mérité des infrastructures qui sont capables d'arriver là. C'est ça. L'État lui-même, pour le joindre moyen, pour la lever au monde, ça, quel que soit la politique, la matérie, il faut joindre assez de ressources qui, ressources, ça, la collecter, non. Et augmentation activité économique qu'a fait c'est actuellement. Ça, ça. Donc, en d'autres termes, pour conclure, tu as senti que nous sous bonne direction ou bien nous pas sous bonne direction? Ou bien qui conseille, qui ou soit, ouais, le citoyen moyen, monde qui a monté tap-tap, monde qui a pris moto, ou bien monde qui a conduit moto, qui ça doit comprendre de l'année qui a venir là en termes d'espoir pour l'économie? Ou bien création d'emploi. S'il est vrai que au niveau de budget, hein, pas de grand histoire, parce que j'aimerais dire que nous, les budgets, hein, nous ne voyons que c'est même, nous ne voyons que le changement de paradigme, le changement de façon de faire. Yeah. Parce que surtout toujours passer même côté à chaque jour. Ou à priver même côté. Ben, c'est clair. Surtout toujours faire même activité à chaque jour, le même résultat. C'est ça. Cependant, l'espoir qui gagne, c'est que de plus en plus, à travers des activités de communication à travers l'émission, ça, genre d'émission, ça a eu, gagne une conscience collective qui commence à dégager. Par exemple, après que Mounio commence à plus s'intéresser à la question budget, il commence à questionner des pratiques que longtemps, corruption. Il y a tout le programme de Petro-Caribe qui prend ampleur. Et ce problème, c'est des indices qui veulent dire que gagne espoir. Et il est important parce que le que la population lui-même n'y implique lui davantage, yeah. Eh bien, le ça à l'État lui-même, il vient plus sentir qu'il y a plus de responsabilité. Est-ce que mon papa qui est en mourir jusqu'à ce que l'espoir soit matérialisé? Bon, ça c'est une ampigo crainte, non? Mon yo dit qu'on a un cloax dehors. Oui, c'est une ampigo crainte, non? Mais heureusement, parce que il y a des gens, et même je n'ai même fait là, il y a l'autre monde qui a fait des travaux intéressants et qui peut permettre qu'il y ait un changement qui fait. Parce que de toute façon, on a toujours aimé dire ça, le pays d'Haïti n'est pas capable d'aller plus bas que j'en ai encore. On est obligé de faire un saut qui fait pour que nous retournions monter. Et c'est avec participation de chaque grand monde, dans le domaine qu'on est capable, façon qu'on est capable pour que nous pour coller les épaules ensemble pour que nous soyons capables d'avancer. Perfect. Merci. Merci beaucoup, Daniel.